bataille est merveilleuse. Elle tourne à la mêlée. Ah, le contrôleur ne se ménage pas. Il frappe de son épieu tant que dure la hampe. Après 15 coups, il l'a brisée et détruite. Il tire du randal, sa bonne épée toute nue. Il va frapper Chernuble. Il lui brise son écu, ou luise ses escarboucles. Lui tranche la coiffe avec le cuir du crâne, fend la face entre les yeux et le haubert blanc aux mailles menues, et tout le corps jusqu'à l'enfourchure. À travers la bonne selle qui est incrustée d'or, l'épée atteint le cheval et s'enfonce. Il lui tranche l'échine sans chercher le joint. Puis il abat le tout mort devant lui sur l'herbe drue et lui crie « Fils de cerf, vous vous mettez en route à la malheur, mais jamais Mahomet ne vous donnera son aide. Un truand tel que vous ne gagnera pas de sitôt une bataille. » Ah, le contrôleur chevauche par le champ. Il tient du randal qui bien taille et bien tranche. Des sarrasins, il fait grand carnage. Ah, si vous eussiez vu comme il jette le mort sur le mort. Et le sang clair s'étale par flaques. Il en a son haubert tout ensanglanté. Et son bon cheval et ses deux bras dans l'encolure jusqu'aux épaules. Et Olivier n'est pas en reste. Ni les 12 pères qui frappent et redoublent. L'archevêque dit... « Béni soit notre baronnage, mon joie !» crie-t-il, « mon joie !» C'est le cri d'armes de Charles. Et Olivier chevauche à travers la mêlée. Mais sa hampe s'est brisée, il n'en a plus qu'un tronçon. Il va frapper un païen, Malon. Il lui brise son écu, couvert d'or et de fleurons. Hors de la tête, lui fait sauter les deux yeux, plouf, plouf. La cervelle coule jusqu'à ses pieds, plouf, plouf, plouf. Parmi les autres qui gisent sans nombre, il l'abat, mort. Puis il tuturgisse. Et Sturgosse. Mais sa hampe se fend. Roland le voit qui lui dit « Oh, que faites-vous, compagnon ? En une telle bataille, je n'ai cure d'un bâton. Il n'y a que le fer qui vaille et l'acier. Où donc est votre épée qui a nos hautes claires ? La garde en est d'or, le pommeau de cristal. Hey, je n'ai pu la tirer, lui répond Olivier. J'avais tant de besogne. » Et monseigneur Olivier a tiré sa bonne épée. Celle que lui a tant réclamé son compagnon Roland. Et un vrai chevalier, il lui montre comme il s'en sert. Il va frapper un païen, Justin de Valferré. Il lui fend la tête par le milieu, et tout le corps et la brogne saffrée, et la bonne selle dont les gemmes sont serties d'or. Et à son cheval, paf, il a fendu l'échine. À ce coup, Roland le voit qui lui dit « Je vous reconnais, frère. Si l'empereur nous aime, c'est pour de tels coups !» De toutes parts, mon joie retentit, mon joie, mon joie. La bataille s'est faite plus acharnée. Francs et païens frappent des coups merveilleux. L'un attaque, l'autre se défend. Ah, tant de hampes brisées et sanglantes, tant de gonfalons arrachés, tant d'enseignes, tant de bons Français qui perdent leur jeune vie. La bataille est merveilleuse et pesante. Par centaines, par milliers, les païens meurent. D'autres défaillent. Les Français vont par le champ et recherchent les leurs. Ils pleurent de douleur et de pitié sur leurs parents du fond du cœur en leur amour. Les Français ont frappé de plein cœur. Fortement. Les païens sont morts en foule, par milliers. Sur les 100 000, il ne s'en est pas sauvé. Deux. En France, s'élève une tourmente étrange. Un orage chargé de tonnerre et de vent, de pluie et de grêle, démesurément. La foudre tombe à coups pressés et serrés. La terre tremble. Du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saintes, de Besançon jusqu'à Dunkerque, il n'est pas une maison dont un mur ne crève. En plein midi, il est de grandes ténèbres, aucune clarté, sauf quand le ciel se fend. Nul ne le voit qui ne s'en épouvante. Plusieurs disent, c'est la consommation des temps, la fin du monde que voilà venu. Ils ne savent pas, ils ne disent pas vrai. C'est la grande douleur pour la mort de Roland. Les Français ont frappé de plein cœur, fortement. Les païens sont morts en foule.